Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin La Foire Fouille de Herblay pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre ensemble les nouveautés. Je vous emmène. Allez, je m'arrête volontiers ici. Regardez, on a du petit mobilier, c'est bien, ça change. Alors en plus, c'est du bois véritable, hein, on dirait du bois de manguier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un meuble télé. Il coûte 400 euros. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve plutôt sympa. À ceci, on peut ajouter le bahut avec 6 tiroirs. Bon, là, il en manque un. Hein. Il est à 550 euros. C'est pas du bois de manguier, ça. Attendez. Je sais pas ce que c'est, ça. Je crois que c'est du bois de manguier, mais bizarre, là. C'est... Si, ça doit être du bois de manguier. 550. La belle étagère, là. Je cherche le prix. Elle est à 600 euros. Et ici, vous avez le meuble bar, qui est sympa aussi, à 450. Est-ce que cette collection vous plaît? Je propose qu'on découvre le reste. On va monter. On va faire du sport. Hop, nous voilà arrivés. Style industriel. On a des lampadaires à 80 euros ou à 40 euros pour la version table. La chaise médaillon, elle est à 130. C'est marrant, on dirait qu'ils ont changé complètement d'identité. La foire fouille, c'est marrant. La grande horloge, elle coûte 50 euros. C'est une atmosphère, elle fait pas de bruit, hein, je précise direct. Et ça c'est quoi? C'est un porte-bijou. Oh, c'est original. Ça coûte 5 euros, vous le fixez au mur. Et après, vous venez mettre vos petites boucles d'oreilles, par exemple. Ça fait très style oriental. Mais c'est assez joli. On a un flamant ici. Je sais pas c'est quoi le prix. Je l'ai pas. Et on a encore une horloge dorée. Il y a beaucoup de doré, hein. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. À 25 euros. 49 cm de diamètre. Ceci est un miroir. C'est du bois de manguier. C'est pas mal. 60 par 76. Ça coûte 80 euros. Bon, je voulais le descendre pour vous montrer de plus près, mais il pèse 10 tonnes. Il est ultra lourd. Le miroir que vous voyez là, il est à 40 euros, pardon. Et par ici, on a des plateaux bambou, il y a deux tailles. Le petit, il est à 10. Et le grand, il est à 13. Une étagère ronde, elle est à 35. Pour les fans de déco zen, vous avez des bouddhas velours. Ils sont à 10 euros pièce. Ça change. Ça, ce sont des lanternes zen à 17 euros. Elles sont en métal. Hein. L'horloge rotin en fleurs, donc elle est à 30 euros. Elle fait 60 de diamètre. Et là, vous avez des tabourets. Alors, comment je vais faire pour le descendre? Aïe! Heureusement que ça se casse pas. Hein. Sinon, j'aurais déjà cassé la baraque, moi, avec ma maladresse. Alors, je vais enlever ceci. J'aurais bien voulu vous donner le prix, je ne l'ai pas. C'est ça les tabourets que je voulais vous montrer. Ils sont à 30 euros. Donc le petit canage. J'étais chez Maison du Monde tout à l'heure. Il y en a plein des décos comme ça avec globe recto verso. C'est 40 euros ici la toile. C'est Atmosfera qui propose ça. Donc vous allez le voir, ce genre de produit dans plusieurs enseignes prochainement. Alors ici, on a quelque chose qu'on n'a pas pu voir. Ce sont des carillons. Mais en grès. Je savais pas que ça existait, ça coûte 9,50. C'est très joli. D'ailleurs, je me demandais, ça casse pas ce truc, s'il y a beaucoup de vent. Et ici, vous avez ceux-là à 16 euros. Désolée, je me marre, parce que je le trouve horrible. C'est un jaguar. Normalement, ça coûte 12 euros, il est à moins 70%, mais en fait, il a une tête... il est horrible. On dirait un jaguar... Un jaguar de Wish, quoi. Désolée, ça coûte 3,60 au lieu de 12. La petite table, elle est à 80 euros avec les roulettes. Et vous avez le petit fauteuil papillon à 80 euros, couleur cognac. Moins 20% sur le salon de jardin que vous voyez là. Il coûte 250 euros et passe à 200 euros, 4 pièces. Ici, on a des horloges. Ils ont vraiment ce qu'il faut. Hein. Il y a un rayon d'horloge incroyable.
Par ici, vous en avez une à 40 euros, 70 cm de diamètre. Celle d'à côté, elle coûte 40. Et en petit format, j'ai celle-ci. Elle coûte 7 euros. Panier en rotin. Alors là, vous avez 3 tailles. La plus grande taille, c'est celle-là. À 20 euros, pardon, 30 de diamètre. À l'intérieur, on a la plus petite à 11, qui fait 20 de diamètre. Et la taille intermédiaire, c'est celle-ci à 17 euros, en 25 de diamètre. Après, vous avez ce format-là. Donc le L, il fait 29 euros. Le moyen, il est à 23. Il n'y a que deux tailles, en fait. Les fauteuils, ils sont à 140 euros. Vous me dites si j'enchaîne trop vite. Hein. Tellement de trucs à montrer que j'ai toujours peur d'être trop longue sur un produit et de vous saouler au final. C'est pour ça que j'essaie d'enchaîner. Vous avez ici une petite table basse qui est jolie. À condition que je trouve le prix. Non, j'ai pas le prix de la table malheureusement. Là, vous voyez, ce sont des miroirs. Donc là, il y en a deux. Hein. C'est 90 euros le miroir. Je trouve que c'est très joli pour agrandir une pièce par exemple. Les grosses tiges de bambou, la raffia, c'est 15 euros. 1,50 m de longueur. C'est plus qu'1,50 m, hein. Peut-être qu'il y en a deux. Attendez. Non, ça doit être des grands, ça. 1,50 m, je pense que c'est ceux qui sont là. Et les grands, ouais, ils sont... Il doit y avoir un autre prix. Ouais. Non, c'est pas ça. Je sais pas c'est quoi le prix. Je sais pas, j'ai que le petit à 15 euros. Allez, je continue, j'avance. J'avance. Normalement, après, il y a la salle de bain, la cuisine. Allez, côté cuisine, les blocs couteaux inox, c'est 18 euros. Donc, il y a 5 couteaux hein, en acier inoxydable. Et vous avez un bloc silicone et bambou. Ça, ce sont des mugs. Alors, c'est des mugs... Il y a un couvercle, je crois. Il y a le manche en bois que vous pouvez enlever avant de laver. Hein. Ça coûte 11 euros. Ça peut être une idée cadeau, par exemple. Ça, quand on n'a pas trop de place, c'est la vie. C'est une essoreuse à salade, mais elle est rétractable. Elle coûte 19 euros. 30 cm de diamètre. Quand elle est pliée, c'est ça. C'est 9 cm de hauteur. Et après, elle reprend sa forme, 17 cm de hauteur. Ça coûte 19 euros. Ah mince, pardon, j'ai oublié de couper. Les balconnières en rotin, elles sont à 21 euros au lieu de 30 euros. Elles sont pas mal, hein. Bon, il n'y en a plus que 4. Elles sont très jolies, celles-ci. Ici, vous avez une belle étagère à plantes à 33 euros avec 3 plateaux. Et là, on a encore des pots en métal. Ils sont à 9 euros au lieu de 15 euros. Donc là, pareil, c'est moins 40%. On fait encore des petites économies. Les fauteuils bistrot, ils sont à 20 euros seulement. C'est ceux qu'on voit dans la pub. Alors normalement, il y a plusieurs couleurs, vous voyez. Il n'y a plus que du gris ici. Bah, vous m'étonnez, ils sont pas mal. 20 euros le fauteuil. Franchement, pour la terrasse, c'est nickel. Hein. Four à pizza, 100 euros.
trop sympa. J'aimerais trop avoir ça un jour dans mon jardin. J'adore les pizzas. Voilà, et puis je pense qu'on a fait le tour, les jolies. Je vais checker encore. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve tout de suite. Prenez soin de vous. Bye.